Heidi, Heidi. She has to produce 13 plates and make sure all of them have the right temperature. Voilà la dernière note apportée au plat estonien. Quelques saveurs supplémentaires. Voilà, Eddie Binac est en train d'apporter les dernières touches par une petite fumée. Elle va porter ses plats sous cloche, une jolie composition. Elle disait avec Régis à l'instant, on est heureux de voir un plat qui est un peu regroupé au centre de l'assiette plutôt qu'éclaté aux quatre coins. Mesdames et messieurs, dans le box numéro 3, voici venir le plat de poisson de l'Estonie, Heidi Binac. Ladies and gentlemen, welcome out the fish dish from Estonia. Une magnifique assiette. Très féminine, c'est la seule. Un turbo poché dans une blanquette de homard bleu au caviar. Un ragoût de carottes, pommes et œufs de caille fumés, c'est la garniture de ce pays. Pommes de terre et jambon estonien, homard bleu au foie gras et des pommes fruits et céleri. Sauce de homard. Bon appétit. So what we're looking at here from Team Estonia is a poached turbo in a lobster blanket and caviar. They are also serving it together with a ragu of carrots, apples, and smoked quail eggs. And of course, this has all been served together with this dome that has encapsulated the smoke onto the top of the plate. They have a potato ring with Estonian ham. So they cooked the potatoes sous vide, then rolled it in herbs, and then the crispy ham was then put over the top. Now this is a typical Estonian smoked ham that is sliced very thin and then crisped up in the oven. There's also lobster with foie gras, cherry, and celery, and there's also a jelly together with that. Oui, nous le disions avec Régis, la touche féminine, hein, ce que l'on attend, la petite différence, eh bien, elle est là dans la façon de dresser son assiette, peut-être architecturé d'une autre façon que ce que font les chefs ici présents sur le Bocuse d'Or, avec peut-être plus de tendresse, de souplesse. Vous avez vu ces éléments regroupés comme un petit nid douillet. Eh bien, c'est le plat de poisson d'Eddie Binac que dégustent en ce moment même les membres du jury. Oui, là, on est vraiment, on pourrait dire presque pas les yeux fermés parce qu'il faut regarder, mais c'est une assiette dressée par une femme. Il y a beaucoup de sensualité, la cloche qui regroupe, comme tu disais à l'instant, tous ces légumes. Tous les légumes et le poisson se tiennent un peu chaud dans l'assiette. C'est alors très moi délicat. J'espère que ce sera aussi bon que c'est joli, parce que j'aime beaucoup cette mise en forme de la cuisine. Si c'est aussi bon, eh bien, elle aura toutes ses chances, Heidi, de figurer sur le podium ce soir. Même dans l'appellation, c'est déjà très agréable. La belle écriture, et quand on parle de blanquette, moi, ça me parle toujours. Ah oui, la blanquette, ça marche bien, c'est vrai.
ce côté légèrement crémé et très gourmand, avec le petit œuf. Ça aussi, un petit œuf de caille coulant. J'ai remarqué que les Scandinaves et tous les pays du bord de la mer Baltique, tous les pays baltes, se servent énormément d'œufs de caille. Hein. Ouais. L'œuf de caille, c'est souvent présent dans les recettes du nord de l'Europe. Souvent, les œufs de caille, les œufs de caille fumés, on retrouve dans les garnitures poissons. Et autant, d'ailleurs, souvent, on l'a vu dans les viandes aussi. Il faudra leur poser la question, c'est peut-être... Alors j'en profite parce que je vois Christian Tête-d'Oie qui est très occupé. Christian, toi tu es un fidèle du Bocuse d'Or, tu fais partie du comité d'organisation bien sûr. Qu'est-ce qu'on surveille quand on est comme toi à l'affût de tout ce qui peut se passer? Alors moi je suis surtout là pour essayer de faire en sorte que les candidats ne manquent de rien. Donc on est toute l'équipe là, le matin à 5h30, on est là pour les accueillir, pour les déstresser, pour essayer de faire en sorte qu'ils manquent de rien en produits, que le matériel fonctionne bien, et puis on surveille que la bonne ordre, que tout se passe dans bon ordre. Voilà. Alors vous donnez de votre temps, vous les grands chefs lyonnais autour de Lyon, Rhône-Alpin et même d'ailleurs, vous donnez beaucoup de votre temps alors que vous avez des affaires à faire tourner. Ça a fait un sacré vide quand même dans la semaine, le Bocuse d'Or. Oui, c'est vrai que c'est une période un petit peu intense, mais on manquerait ça pour rien au monde. Franchement, on dort pas beaucoup alors. On dort pas beaucoup, donc c'est à peu près 2 heures par nuit. Mais bon, on reçoit le monde, c'est quand même génial. Oui, c'est une fête, hein, c'est une fête. Un vrai cadeau. Voilà. Merci Christian Tête-d'Oie, chef lyonnais. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai dit le comité est là depuis 8h ce matin. Et j'ai vu Guy Lassauzé qui me faisait les gros yeux derrière de dire « On est là depuis 5h ce matin, t'es gentil ». Voilà, donc je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, certains, hein, c'est sûr. Ils sont pas. Il y a des grasses matinées aussi. Hein. Mais dans les membres du jury aussi, je te rassure. Donc c'est bien naturel. En tout cas, on en profite pour remercier tous les chefs membres du comité qui sont là pour veiller à la bonne marche du concours. Et ils sont tous réunis pour assister au dernier dressage de l'assiette du boxe australien.